La traditionnelle journée de brassage des cultures et des nationalités, une fois de plus respectée à l'Université de l'Unité africaine, appelée encore journée de l'intégration africaine, elle a pour but de permettre aux étudiants de cette université de s'accepter, de se côtoyer, de s'entraider dans un esprit d'échange et d'intégration mutuelle. L'Université de l'Unité africaine est l'Afrique en miniature. Nous avons 19 nationalités en notre sein. Donc, quoi de plus normal que de magnifier l'intégration africaine à travers nos étudiants qui se côtoient, qui s'entraident sans barrière. Donc, nous voulons plutôt inviter les politiques à hâter le pas, à accélérer sur l'intégration africaine pour que nous puissions avoir des destins communs. Présent à la dite journée d'intégration, l'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso a félicité les étudiants qui ont rendu cette journée si belle à travers les différentes prestations. C'était une cérémonie haute en couleur. Je pense que c'est une journée d'intégration africaine qui a tenu toutes les promesses. On a vu 19 nationalités présentes ici, des jeunes qui constituent l'avenir de l'Afrique, qui se sont donnés, qui ont bien représenté leur pays et qui montrent que quand l'Afrique est unie, elle peut relever tous les défis. Pour clore cette cérémonie en beauté, les étudiants ont rivalisé de talent au cours d'une parade, notamment avec les drapeaux de leurs pays respectifs.